Nicolas Lizovic, belle victoire 4-0 contre Chalon, qualification pour le 64e de tour de la Garbarde. Bah, ça fait plaisir, hein, 4-0 chez nous, en plus avec une bonne ambiance, avec tous les supporters. Ça fait plaisir, on a mené d'entrée, donc ça a été plutôt très bien, comme ça pour la confiance. Et après, bah, on a essayé de rester solide et de ne pas se dévier dans le match. Et du coup, ça on arrive en 64e et ça fait plaisir. Quel était le discours du coach Fabien à la mi-temps? Parce que vous venez 4-0 et en demi-temps, Chalon a réagi forcément. Et vous avez pu gérer, non? On savait que les adversaires allaient donner à 100% d'eux-mêmes vu qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Et nous, fallait qu'on soit à 200% pour pas lâcher et pour pas se prendre de but. L'objectif, c'était pas se prendre de but et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, c'est plutôt bien. Puis vous marquez l'histoire du club aussi. Voilà, exactement. C'est très joli et on est heureux de faire partie de ce club. Très bien, merci à toi. Merci. Avec Thibaut Faure, auteur de 2 buts aujourd'hui. Thibaut, belle victoire, une qualification. Quelle est ta réaction comme ça à chaud? Je suis content. En plus, je marque 2 buts. Très content. Une jolie retournée. Bon, vous marquez aussi l'histoire du club, là, c'est de passer 64e tour de la Garbarde, c'est quand même quelque chose, non? Ouais, c'est quelque chose. En plus, le président est content. Nous aussi, on chante, très content. En plus, vous avez rapidement mené au score, et puis 4-0 à la mi-temps. Vous attendiez-vous à dominer autant cette rencontre? Non, pas du tout. Surtout qu'ils jouent un niveau au-dessus de nous, mais bon, on a fait le boulot et c'est le principal. Bon, très bien, merci à toi. De rien. Avec un coach heureux, Fabien Guinan, belle victoire, 4-0 face à Chalon-sur-Saône. Quelle est ta réaction comme ça à vivre? Très très heureux, ça c'est sûr. Non, ça fait plaisir vraiment pour le club, pour les gamins. Ils étaient au top, ils ont voulu vraiment gagner, donc on l'a fait, c'est très très bien, je suis très content. Ouais. Vous êtes monté très rapidement en puissance en première mi-temps, hein, premier quart d'heure un peu bon équilibré, mais alors par contre après... On a senti que là, l'attaque, à chaque attaque, il y avait quasiment un but. Donc, L'objectif, c'était ça, de mettre beaucoup d'intensité dans la première mi-temps, parce que c'est toujours pareil. On sait que quand on marque les premiers, généralement, c'est beaucoup plus facile, surtout sur un match de coupe. Après, on a fait le boulot, on a eu du réalisme, parce que c'est vrai que d'habitude, c'est un peu notre problème, on ne marque pas de but. Et là, ce coup-ci, on les a mis, nos 4-5 occasions qu'on a eues dès le début mi-temps, on en a mis 4, c'est très bien. Quel était ton discours à la mi-temps? Parce que 4-0, tu doutes bien qu'en face ça va gronder. Quel était ton discours face aux garçons? L'objectif c'était simple, c'était de gérer. À 4-0 à la mi-temps, notre but c'était quand même... On savait que l'eau de l'adversaire allait revenir à 300%. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on devait défendre, être intelligent dans notre placement défensif. On l'a fait, on a été patient, on ne s'est pas affolé, donc c'est très très bien. Et puis on n'a pas pris de but, donc c'est encore mieux. Bah, comme je disais avec tes jeunes joueurs, vous marquez l'histoire du club aussi. Ouais, ça c'est très bien. C'est vrai que c'est la première fois que ça va aussi loin en Gambardella, donc c'est super. Bon, très bien, merci à toi Fabien. Merci.